Alors je crois qu'on a une mais interview non, et... de Mordog sur le oh. live. Je vous coupe, mes mais non, parce que Mordog himself, le roi du euh, de la balance, est en live là-bas, et je vais vous le montrer. Du coup, on va écouter ça ensemble. <laughs> No, but it's, it's in a good way, right? Like, yeah. we've seen, like, Kaisa. I don't think Kaisa was something people would have predicted to do very well. Arcanists have been kind of dominating instead of, like, the AD heavy stuff. Um, it's just been really cool to see the different ways people are making different comps work. And so it, it's, it's kind of opened our eyes a little bit to, like, what's possible and the difference between tournament and ladder. Yeah, I agree. I think you've also been following DNA Tournament, right? As a co streamer, yep. I might add um Is there anything that strikes you in kind of the difference between EU and na well, like I said I don't know if one's like better or worse than the other but okay, EU but EU has been more loose and like like I said they've been more willing to sort of push the boundaries and like I said I, I think we'd call it more creative Casey double especially I've just seen him Damn. pull out things like the lifelong learning. Uh, there's been this trend where like people look up the win rates on augments and like lifelong learning is at the bottom and KC double turns that into a top four. Like that's been really cool to see. Yeah, lifelong learning is a favorite of Wita's. He's been talking about it the entire set and he's just been lifelong learning. <laughs> lifelong learning. And I when hybrid anger carry was a thing, I was also lifelong learning stand number one. So we're we're glad to see that it's gotten so much use and we've even seen the Sindra composition, which we really didn't yep. expect. But you know, um, you're obviously like lead developer. You have so much more insight into the game than we do. We're this is our last tournament here in EMEA. Uh, in EMEA specifically, there is still some world competition to come, everyone. <laughs> uh, but here in EMEA, you know, this is our last tournament on set six. Is, is there anything the dev team has really, like, solidified as reflections on the set? I know personally, augments have been, like, my favorite mechanic of all time in TFT, and I've been playing since PBE. Yeah, I think when we look at augments, especially, we're seeing sort of the potential. Like, they're a really solid foundation and baseline for what's possible. But clearly, we have a lot of work to do, especially at like the highest level. I know you guys are kind of memeing a little bit, but like the prismatic power difference can be a big thing, you know? And so, like, I think we're going to be looking for set seven to sort of like what we can do to take augments to the next step and mm -hmm. figure out how we can, you know, Kind of make it even better because, you know, we shipped augments. It was our first go at it. I don't think we're going to get it perfect, but there's been so many learnings, like I said, whether it be the, the casual ladder or the competitive. So, yeah, <laughs> it's been a lot of fun. Yeah, well, uh, really glad to hear it because we've been, you know, theorizing a little bit about set seven ourselves. Mm. You know, uh, my number one theory uh, was that I was going to grab a bunch of Timo stuff. And I'm, I'm not suggesting you put him in the game, but if you did, I. I know. I'd be very happy. when Ramos you? is like right there. He's dead now. <laughs> he's, he's like dead now. right there. Actually, He died in real life. Yes, he's he's just gone. He's no longer something you can put into the game because we did kill him to summon Mort. Unfortunately, mm. that, that's the trade-off, guys. Well, I just wanted to kind of you know before I guess we start getting into the set seven stuff in particular, I was kind of curious more like you know how you guys thought about set six. Is there anything that you you're particularly proud of a particular design problem that was solved, or just the approach to the set that you think you're going to be carrying on into the future? Yeah, I think the big thing, if you look at the comparison between set five and set six, was that the ability to play a lot of games, whether that be through variants and other things, as well as just the novelty, right? A lot of the set five traits were kind of like, eh, it's some more stats, it's fine. But like set six, there was a lot more unique stuff, whether it be like the Yordles or Mercenary i think a lot of players really are looking for every set to sort of add something new they've never seen before and that's sort of our big takeaway whether it be the augments the traits the champions really looking for the like the weird right like what is the <laughs> unique thing i've never seen before i want to see more of that and i think that's what we're going to be looking for you know, that's the big takeaway from set six. I think. I think that fits this desk very well. <laughs> yeah, <laughs> we do, we do like the weird. We were very fond of when we finally saw an egg in competitive, something yep. I never thought yep. I'd see as long as I live, and yet, there we were. Uh, thanks to you, Need, for that one. So we do have we do have one request more we're so sorry but we, we humbly request for our audience not for, not for us not no we would never, never for us. we would never no. make a selfish request but if you could just give us just a tiny just the tiniest tiniest hint for for set 7 yep. it, it, it's it's going to be vague but this is the best i we'll can take give it. you we'll is take it. that you know we've said set 7 is dragons and i think there's going like to be those. some large changes some large Ooh. changes and I think it'll show how much we treasure you. So oh, oh. oh. there you go. Coming in that's with the puns, expertly done. <laughs> that was, this was really just bravo, Panda. Are you taking notes? That's that's how you do a pun. That's how you <laughs> do a pun. Yeah, yeah, you. Yeah, no, 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 no. Don't point to yourself all offended. You know what you've done. You know what you did pre desk yesterday. I'm sorry. We're barely under control here in any in any manner of the word. <laughs> We don't need to be. Mort's here in the chaos with us. He's here in the trenches now. Uh, so while while you're here, while you're stuck with us rolling around in the proverbial verbal mud, uh, what is your biggest like prediction? You've been watching the games, you've been watching NA as well. Is there anyone you think really has the chance to take the championship today? Like I said, the the player that's impressed me the most across the three days has been KC Double. His willingness to play just so many different comps, so many different angles. It's been unpredictable, and to be honest, I kind of think the hype story of the former world champion coming back and doing it again yeah. would just be such a hype story. So I'm kind of rooting for him too. It's like I said, his plays <laughs> impressed me. Rooting for the storyline, I got to give it to Casey Double. Yeah, I think, I think that echoes my sentiment. I've been, <laughs> I've been falling into the story rabbit hole more and more as we've gone, because day one, I was just like, yeah, well, we haven't seen him for a while. But now the story of just like this mystical hermit who just disappeared from competitive, and a hundred years later, when TFT needed him most, he came back directly <laughs> into the finals and just started stopping. Yeah, actually, that's like you're, it sounds like you're exaggerating, but it's actually the real story. <laughs> yeah, I mean, it, it really does feel that way. He, he wasn't in any of our earlier Golden Spatula Cups. He came into the qualifiers for one of them, showed up through ladder, didn't perform particularly well. Mm -hmm. And I was like, oh no. What, what happened to KC Double? Yeah. Did he forget how to roll? No, no, no. He's biding his power. He's biding his time. So I'm really excited to see that. Uh, but before we do, just going to get a quick check if we're ready to go into game. And before we do, guys, on the desk, I'd like to ask you for your predictions once more and then we'll toss it over to the casters. Uh, I mean, I certainly would like to see some of you know. I would like to see Uni coming out again and you know showing off something pretty spectacular. I still want to you know, as much as we have ended up in what we kind of suspect it might well be the case is that we've got a very top-heavy kind of standings already. I'm hoping they get to be shaken up at least a little bit before we're done. I mean, I kind of agree with with the Casey Double narrative. I think it's fun. I think it's cool, but i also want somebody that isn't french to win <laughs> just get 80% you know, of our fan base against me no i just think it'll create more fun narratives i'm kind of now that we've seen the overview i'm kind of betting on ging i think yeah, that's her best yeah. shot mm -hmm. so here goes nothing. So that's non French shop, but the French really have it locked down at the top of the leaderboard. Well, Mort, thank you so much for coming. Thank you so much for being on our broadcast. Uh, and thank you for the incredibly cryptic clue. I'm calling all of my cryptographer <laughs> friends. Uh, and we're going we're gonna to crack this thing. It's another egg pun for you. Hopefully that becomes relevant nice. in about a nice. couple months. <laughs> I got a nice from Mort Dog. All right, I've peaked. I've peeked. I'll i send it over to the casters. Mort Dog, thank you once again for guesting. Panda, Wita, take it away. Oh là là, oui, j'ai été ban, J'ai censuré. J'ai été ban, alors que je comprenais pas. Elle voulait pas que la France gagne, les gars. C'est quoi ça Oh là là là, la mix qui s'est mis à un pays à dos. Non, oh, Après, peut-être qu peut qu'il y avait pas nos curse Et du coup, c'est inversé. Bien joué. Non, non, bien non, joué. Mais non savez, ça, je crois tout, pas. Ça. Trop de curse là, de qui. Oh là, ils m'ont ban instant du stream en plus. Et euh, bah... liberté d'expression. Eh, mais. Oh là là, bon, bon on, oh fait on va les faire mentir. Beaucoup de choses à retirer. Peut-être tu veux commencer, Torque euh, Le leak Mando qui nous parle du 7-7 rapidement Alors les dragons. Déjà Est-ce est qu'on parle des dragons euh, Voilà, euh, intéressant. Et euh, moi, moi, je veux dire. Il me semble que les dragons c'était déjà annoncé, Il me semble que c'est une belle bêtise, non Les dragons étaient déjà annoncés, oui, tout à fait. Et après, après, pour le coup, euh, je crois qu'ils avaient, ils avaient déjà dit aussi qu'ils allaient remettre un peu les mécaniques d'augmenter, etc. Ah, peut-être pas remarqué, est-ce qu'ils avaient annoncé ça déjà, les augmentes euh, Ils avaient annoncé ça également, mmh. effectivement. Très bien. Ça, on est, on est bon a priori. Pendant ce temps-là, la game commence, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à faire ah, du bruit wow. dans le chat, oh dans les chats. Hein, si vous marci. êtes également euh, chez Kameto, bien chez Solary ou euh, tous les autres diffuseurs, n'hésitez pas à faire un maximum de bruit. Et c'est la game numéro 5. Et nous démarrons avec Unid d'ici. Euh, et euh, également, alors il a dit un truc très intéressant, Mordog, Pour revenir sur ce qu'on disait, euh, il a dit "We will show you how much we treasure you". Donc il a donné une ça information fait. comme quoi il y aurait donc les trésors euh, et que les trésors seraient une partie importante du jeu. À voir comment ça se, comment ça, se ça se traduit. C'est vrai que ça ne prend pas. Les chose, alors. Et les trésors ici, par exemple, on a, on a une synergie qui apporte un coffre sur notre bench, par exemple. Et ouais, en vrai, ils ont dit que ça allait drastiquement changer la manière dont on voyait le jeu actuellement. Donc, il y a moyen de. Voilà, je sais pas si c'est des gens qui ont des idées dans le chat, s'il y en a qui sont euh, game designers ou qui sont juste créatifs, mais euh, avec ces informations-là, Dragon, Augment euh, et euh, Trésor, il peut y avoir des idées sympas quand même. Ouais, on a vu aussi un mort Dog d'élu qui veut pas se prononcer sur euh, EU supérieur à NA, mais bon, il a, a pas de souci. Ouh, et on démarre avec Ouh. une augmente gold là, messieurs. C'est pas terrible pour Union. Il y a Win Trade Sector. Oh, non. Bah, par défaut, tu n'es pas obligé de prendre deux, en vrai. Ouais, si, si. Hein. C'est okay. un non choix hein. C'est Célestial, malheureusement. Tandis que Volta lui a trouvé le 3-Cost euh, qui lui donne 4 champions, 3-Cost. Oh là là. Oh là là, le Volta. Moi, je sens Volta champion d'Europe perso là. Ouais, on a eu un Zbrojzon qui a eu le, la forge, en vrai, qui est incroyable. On a un double qui a eu un, une Spat Striker. Et euh, on a un Ging qui... Euh... Alors, Ging, il a des choix de taré les gars. Il a le choix entre Junkyard, Sharpshooter et Phalanx. Ouf, Alors là, moi, je... Sharp, je pense tu prends... Ça dépend, s'il si, si a des bons items, moi, je prendrais Sharp, mais... Et il a pris Sharp, je te confirme. Ouais, ouais. Et Volta a ouais, eu Gnar, bon Echo point. et Leona dans ses trois costes. Pour, okay. la petite, pour la petite, la petite info d'early game, toutes les bases sont posées. Ça y est, on peut partir sereinement dans la game. Et un start pas fou. Un start ouais, pas, pas fou. fou, il a même pas J'ai très très peur de l'early new Alors Après, il peut ouais. comeback, hein. ça c'est pas inquiétant. Mais il a vraiment pas un bon early. Mais il a trouvé aucune, aucun level 2 quoi, tout simplement pour commencer. Il a pas des super synergies à rentrer non plus, donc c'est très inquiétant. Mais il a beaucoup de champions qui ne vont pas ensemble en fait, donc euh, il, a, il a un peu de tout quoi. Mais bon. Il faudrait un blitz pour débloquer un peu la situation. Mais ça va, parce qu'en vrai, ce qui est bien avec Celestial, parce que mine de rien, c'est qu'il va avoir a priori Iola's Whisper, puisqu'il va être en Streak. Et il va forcément mettre la thème qu'il veut. Et il a Celestial. Donc Iolas Whisper plus Celestial en Lustrick, je trouve ça ok en mid-game. Ah la popie de l'enfer. Et pour le coup, tu peux jouer par exemple une compo AD avec genre Irelia. Ou Draven par exemple, qui est... tu, peux la... tu peux les jouer thème offensif sans item de régène ou sans socialite, c'est bien. C'est très ah, très bien même, très très bien. Juste il faut... Là il est en pleine hémorragie, il va aller très vite. Il faut essayer de calmer ça. Le Kassadin 2 est très important par exemple. Ah oh, c'est génial, et pendant que le louche prend moins vite aussi. Et le Pardon, oh le louche. Alors, <laughs> attends, le louche. Le louche hein. Non mais le louche n'est plus intéressant pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Attention, le louche là est presque d'office éliminé hein, mmh. de, de la compétition. Ah, donc là, il faut maintenant, nos yeux sont rivés sur euh, les trois autres, du coup, Ging, Ging. et Zbrojzon, euh, qui idéalement doivent peu perf, comme ça ils font euh, 6-7 euh, et les, les Français euh, accrochent les 5 premières places pour les Worlds. Ah, pour l'instant, on, on, ouais. euh, on y est. Faut, faut espérer que ça se maintienne avec des petits top 4 par-ci par-là. Et Volta niveau 5 alors qu'il a perdu le premier round Ah, il unit le tag en plus. Oh ouais. là 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 Ça va prendre il... le moins 10 là. Niveau 5, meilleur Doll dans son économie va quand même pouvoir décoller un petit peu, il a un Gnar. Uh... bien. Ouais, c'est moins 10. Bon c'est moins pour une île. Ouais, C'est pas si mal en vrai, parce que euh, en vrai, il est assuré d'avoir une prio et d'avoir BF work Et même pour le prochain carreau, et il remontera avec une Irelia 2 ou un truc comme ça, je pense. Je pense vraiment que c'est pas si mal. Ça l'assure d'avoir deux bons carreaux. Voilà, c'est mon call, mais... Il y a une Senna, tu parlais peut-être d'une Senna avec pas mal d'items euh, comme tout à l'heure aussi. Il faut prendre l'info de la case là, et je pense qu'il va acheter rapidement pour voir. Il faudrait voir la case, ouais c'est ça. Mais si euh... la case est backlit, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être... Alors il y, y a une demande pour le, le point score rapidement, on pourrait refaire un petit point score très rapidement. C'est vrai que ça fait longtemps. Là, ouais. Parce que là on a eu 15 minutes de pause, voilà on vous montre rapidement ici en haut à droite. Euh, on a du coup Volta... À... Scénario idéal pour l'instant. Volta 23, double 22, les cocos 21, Unit 20. Voilà retenez comme ça, ils ont tous un point d'écart les Français. Ging est à égalité avec Unit à 20 points. Et puis derrière Zatis, Rochezone, 17-15 et vous voyez Lelouch euh, qui est en difficulté. Pour commencer du coup. Allez, le louche qui pourra jouer trouble fait, parce que là, le louche il, il joue que quasiment pour des top 1. Il n'y a pas de. Ça. Ouais, allez, il n'a pas checké la case du coup, il, Ça il, va il... gagner. Oh, c'était pas ouf de gagner, mais bon. Prends la Sénat, ouais, ça va pas ranger son économie, ça, ça m'étonnerait qu'il se remette à gagner les prochains fights. Mmh, allez, la non, BF à 3 gold, c'est elle est super. Est bien. bon je l'aime cette BF. Mmh. Et en fait... vrai, s'il si y a un, un Twinshot dans son rôle, il peut mettre IEGP et poser deux twin Twinshots, par exemple. Ça serait une option. Ah, je pense pas, parce qu'il a quand même père de S, paire de Singed. Et, et le problème des innovateurs, c'est soit tu les as tous euh, level 2 et ça fait level quelque 2, chose, soit, soit tu vires complètement. Et là, il est un peu entre les deux, donc euh, je pense qu'on va gamble encore euh, Singed et Ezreal. Allez, faut il faut qu'il passe niveau 2. Allez Ezreal 2, Ezreal 2. Israel 2. Allez, ah, il nous fait un suspense là. Oh là, là. Le blitz c'est pas mal. Ouais. Oh oui Belle case Ah du bien. Coup, peut être mettre IE sur Seda. Eh oui eh, il, il aime bien, même si Ezreal passe 2. Euh... Là on est mon, plus flexible. Après ouais, Il peut scrap... Euh, il, il a déjà une tire, c'est vrai. Faut que ça passe niveau 2 Faut que ça passe niveau 2, sinon il va devoir les jeter stage 3. Genre si tu, il si tu met stage 3 tu les as pas, tu, as pas, tu faut, faut changer de plan. Euh... Ouais, je suis d'accord. Là, là, du coup, il peut se permettre de quitter petit à petit euh, Innovator. Quoi. Enfin, sans, euh... En tout cas, il jouera Exactement. pas 5 Kino. Ah, la Sénat va limiter la casse, je pense. Euh, les Cocos qui a un beau Lucian. Ah, ouais, avec effectivement. Luden, avec Luden en early game, hein. excellent tout le monde d'orly. Ah, mais Cassadin, les gars, Cassadin. Cassadin, C'est fou, Cassadin. C'est difficile de faire meilleur tank en early game. En plus, là, il a une Senna, donc à chaque fois que Senna va cast. Euh, le cassadin va se remettre bien en vie, donc en plus il a 5 secondes de Tankiness où il prend moins de dégâts. Donc s'il y a un Gnard dans le rôle, ça peut être, ça peut être très intéressant. Et on a un Zilean. Alors on a paire de S, paire de Singed, on a Echo. On peut tout à fait jouer un, un 5 Inno de transition, mais c'est pas obligatoire. Comme tu dis c'est pas obligatoire et ça va certainement dépendre de est-ce qu'ils trouvent ou pas ces upgrades. Si les upgrades viennent toutes seules euh, d'ici le stage 3-2, on envisagera certainement d'avoir le 5 Kino de transition. Ouais effectivement ouais. Faudrait qu'il tag un mec pas trop fort là parce qu'il y a un monde où il peut faire un petit 3 streak, Pagging, Pagging, zati qui est en mercenaire. Alors il y a une Chojin Gangplank. C'est pas le plus inquiétant. Après il y a un de ah, bon, ouais, Lotus sur une MF, ça peut faire un petit peu peur éventuellement. Oh le Gangplank dans la backline, attention quand même. Oh Belle la angle, un bel angle. Oui Incroyable. Oh la séna qui a touché les 4 champions euh, dans la ligne là ici. Et on va joué la elle... win streak. Ouais. C'est C'est bien. Une ce ce petite win contre le loup juste avant le carreau. Euh, elle met bien. Elle met bien bah, finalement. Le matchmaking, c'est mais... bien sorti. Let's go. Ging pour l'instant qui a 100 PV. Hein, qui en full chain win. Le joueur turc. Proche qui va perdre. Et on a un Volta qui a touché un petit peu aussi. Oh la la. Père d'écho. Père Père des pères. Que des pères. Ça c'est un peu chiant. Ouais. Ça c'est un peu chiant. Parce que c'est parce que euh, en fait, là il va là en fait, c'est soit il chatte et il a genre S2, Sinjet 2, Echo 2, et en vrai, il est tellement bien, soit il chatte pas, du coup, il doit peut-être roll, mais s'il touche pas, c'est fini, soit il chatte pas et il roll pas, et dans ce cas-là, ça va être dur. Un stage 3 très difficile. Ça, c'est les trois options de Unity. ok. Oh, un quand même, okay. un arc, peut-être, arc ah, ou négatron. Oh la la mais ah oh, c'est bien. Pour... Est-ce que tu slammes presque pas un shroud en vrai ah, ah non, il a Cœur gelé écho, sinon, il a curgelé gelé écho, mais il mais peut cap en grand. Oh le sinjet 2. C'est pas mal ça. Mais non mais surtout que là il a, il a... je rappelle qu'il a Celestial hein. Donc Celestial quand tu peux faire IE la whisper QSS, c'est bis de ouf. Hein. Ouais, ouais, et as tu et as tu peux même faire pas congelé là maintenant sur les Et oui, il gelé écho. écho, et ouais, c'est génial. Par contre, je pense pas que tu scraps du coup. Ah non, parce que tu regardes l'item Peut-être sur Astrid Peut-être à un streak quand même. Mais dans ce cas-là, il faut tout après le vendre tout à fait. Mais je pense que comme il a Winstreak, il y a moyen de mettre le gant sur Ez. Je... je pense qu'il sait que ce sera une QSS et il a peut-être pas envie de rebuild ce aise, mais il pourrait le faire pour gagner des rounds. Donc bon choix. <laughs> D'ailleurs, on parle voilà. de ça. <laughs> <laughs> ouais, voilà, le Stinged 2, il est très très bien. Parce que typiquement, Stinged 1 là n'aurait pas cast parce qu'il a cast last minute et on va avoir besoin de ça. Et le Cassadin qui va tanker là ici. On est face euh, à, au gros setup de double si je ne me trompe pas. Et le Cassadin qui continue de tanker. Le Cassadin qui tient bien. Le Cassadin qui tient très très bien. Le Cassadin qui a tanké 3 unités. 4 unités, même avec le Corki. Et on va gagner ici. 4 victoires oh d'affilée pour Unid. On est en chaîne win. Ça, c'est le win streak de champion d'Europe, ça. Let's go. Mais quel champion Kassadin, Cassadin C'est fou Allez, Echo 2, Echo 2, S2, Camille 2. C'est finito. Oh, oh <laughs> Les choses qu'on casse son setup. On le voit <laughs> sur votre écran. Oh là, oh là là, le PSP Le Grégoire Botin Oh Il se régale oh Il a tout Marabout Je suis Marabout Attends. Attends, par contre... Tiens, passez moi. C'est dommage de retirer le casse par contre. C'est Ce <laughs> Il a tellement Hero que du coup, il a un casse bench. Oui, c'est ça. <laughs> Le virement ah, est passé, confirme! A... Oh putain, merci DG! Oh là, là là, on donne tout, hein. on donne tout côté juste pour, les... <laughs> <laughs> pour que les ressources soient mises au maximum. Le virement est passé, putain. Attends, pourquoi Bordock <laughs> est passé juste avant votre avis, sur le stream de Shones? Après, il a dit euh, qu'il était pour double. Donc, euh... Ah, mais la curse! On essaye de Après, au bureau de cast, on a, ils ont dit qu'ils voulaient pas un français qui gagne. Et du coup, là, Saturbo Roll, il bat un Gink qui était euh, level 6, 10 Allez, gold. Plus un Ino. Non, mais ça va aussi. Oh, c'est pas mal Component grave est bien Component Grab est bien Compound ouais, Grab est bien Excellent hein. oh, Il l'a vu direct hein. Il l'a vu direct Ça c'est très très bien Et qu'est-ce ah, qu'on a La QSS qui tombe et le GS Et on rejoue jouer à gros Oh c'est GSS et je te jure Alors c est... C est... C est... le problème c'est que c'est pas bt avec Celestial Mais il peut slam GSQSS. qss boum Il peut slam tellement mec il... Ou... Ou... Ah moi ouais, j'aime bien peut... la QSS hein. Tu fais les deux fais QSS Ezreal et GS sur ça euh, là ouais, bah ouais, ouais. Ça. Ouais, ça. Ou alors tu peux laisser le Scrap si tu veux. Si ouais, fait, euh... En fait, tu peux bouger ouais, faire QSS, ouais. 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 ouais non, son, si tu vas veux. pas revendre maintenant le Ezreal de toute façon. Donc, bah, le truc, c'est qu'il y a un Rocket Propel Fist en fait. Il y, y a un Grab de Blitzcrank, il y a des Blitzcranks. Moi, j'aime bien faire QSS. En fait, s'il si tag là maintenant tout de suite un Blitzcrank, il ouais, boule la Poppy avec le Grab, tu la slams. Mais sachant qu'il va avoir un item Echo, a priori Belt ou Baguette, euh, je pense que la Slam la QSS, c'est pas mal. Comme ça, tu scrapes du coup le prochain truc sur Echo. Bah, ouais. Mais euh... On va voir en tout cas. Putain c'est fou en vrai. Il a le hook justement. de sur 27, 40 gold pour Volta Oh là là ouais ah oui Volta est bien. Oh. Il a pas beaucoup d'HP mais il, a, il est largement. Regardez la, de Senna. la Ouf! Ah pas terrible la ligne. Ah, mais ça fait des bons ouais. Mais Junik est tellement. Ça, il y a trop strong trop en fait. Tellement ah. c'est le champion De UNID, hein, sur cette finale. Franchement euh, elle régale hein. C'est Coach a... Maxwell qui a conseillé ça. Ah ouais non mais Senna deux 2 mec, ça peut tu pas aller au nine avec hein. C'est Oh là là, c'est 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 sûr, c'est sûr là. C'est super d'avoir ça et, euh... et là tu as le S qui est, euh, a eu du mal à passer deux au final, on est content d'avoir une Senna carry et, euh... et surtout que quand tu vas roll au niveau 7, si t'as besoin de roll, c'est la 2 est vraiment très très cool quoi. Très très cool. Tu nous colles un petit rôle double sénat peut-être euh... Non, non, non là où on a fait le max. <laughs> ah parce est, est, on a tri... tout donné, ça y est Là ah, c'est un call triple roll mec c'est du jamais vu. Et, et pourquoi pas un petit call Irelia là aussi là. <laughs> Ouais, Irelia, Irelia aussi, double sénat il y, y a pas mal d'options. Le call triple roll est difficile à faire. À faire ah, double sénat <laughs> moi je vois bien, en deuxième, troisième casse, ça brille un petit peu, c'est pas impossible, hein, ça, peut, ça peut arriver. Allez, on a quoi On a. Euh... Oh, le low quoi le roll, ouais. On a un Cassadin 2. Yunit est du genre à push. On a ce et le louche sont pas ouais. passés au niveau 7. Volta est déjà niveau 7. Et Yunit va forcément taguer soit ce zone, soit le louche, soit les collègues. Donc il doit prendre cette information-là. Peut-être qu'il va vouloir match le niveau 7 avec un Cassadin. Ou une... ouais, 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 ouais. Ok. Ok. Il remonte les coups un petit peu. Il y a une bonne value where, dites, ah, y, y a des là, Zephyr, Oh là là, il y a des joueurs Zephyr, là. Il y a des joueurs Zephyr. Ça va être le hook. Ok. Et Zephyr. Et Zephyr, un Gnard 2, en vrai, c'est ok, hein. Il a dû analyser qu'il y avait pas mal de joueurs Caz, Socialite. Hmm. C'est pas, dit, pas hein. faux, effectivement. Oh, belle, petite Zira C'est pas mal, en vrai, aussi. Hein. J'aime bien. La Zira a été incroyable. 4 personnes touchées, je crois. J'adore le Zephyr, je trouve que c'est sous-côté comme item, notamment dans la méta où, bah, avant le, le patch d'Irelia, et là il a dû voir, il a dû se dire Ok, il y a, a 4-5 joueurs de Socialite, donc Zephyr a plus de value que QSS Belt Echo. Très bon choix, je pense. C'est aussi Oh, un bon moyen de sa win oh il oh, a, a vendu Singed Oh, Serafine Mais il vient de vendre Singed. Oh putain oh. C'est vrai qu'il vient de il... vendre le Singed, c'est hein, Il s'était dit je vais, je vais petit à petit sortir d'Innovator, ce qui était clairement euh, pas un mauvais play pour faire de l'économie. Et derrière il trouve... Ah euh... ouais, c'est bien ce qu'il a fait là. Ah, Après ça, 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 il, il a Camille. Ah, Je suis pas sûr, hein, ouais, je suis pas sûr. Ah, là, non, non mais... Non, ah, non, 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 il non, perd trop là. Ah, il est en chain win, je pense que... Bah, le heal il il pas fort. grand chose en fait surtout. Il est moins fort non ouais. On va voir, on va voir en tout cas. Il sait peut-être mieux que nous. Ouais. C'est figuré sur Gnar. T'as raison je... parce qu'en en fait ça... Serafine apporte du heal. Ah, et Ignard aussi, parce que c'est 3 socialite, c'est pas très intéressant de socialite pour être la sienne. C'est le 2 socialite qui est bien, et surtout que s'il gagne, euh, il peut faire le palier de 30, alors qu'avec l'autre option, il est certes un poil plus fort, mais il peut pas faire le palier de 30. Mmh. Tu vois Donc, du coup, il s'est dit, bon, je perds peut-être une note globale, mais je passe un palier. Et là, il passe à 30, tu vois, donc c'est ok. Oh, c'est génial, c'est génial, là, il est tellement bien. Après, okay. le truc, c'est que là, il est obligé de roll. En vrai. Parce que <laughs> ça, 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 Stage 4, tu te fais détruire. Euh, il peut, hein. en vrai, là c'est pas déconnant de prendre les Ileans et euh, roll down pour trouver Gnar 2, Senna 2 et tout. Hein. S'il y a une Irelia qui arrive, c'est pas déconnant. C'est le... le moment où... Euh... Ouais. Et regardez, il y a plein de joueurs cases, hein. regardez le nombre de joueurs cases là-bas. Ouais, ouais. ouais, c'est Tout le hein, ouais, hein. monde, il y a des Ethir euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs cases. Ouais. C'est bien, mais ouais, là il doit roll. il doit soit trouver un 4 cost level 1 potentiellement, ou alors un 3 cost niveau 2, mais il faut, il faut, roll. faut pas tomber dans le piège et de... C'est bien ça, mmh. chercher la cellule 2 sinon ça okay. revient. En vrai, il peut roll, c'est pas une mauvaise idée. Mais il peut aussi avancer, mais dans ce cas-là, il... je pense que là pour assurer une bonne perf, les deux options sont ok. Mais... J'ai peur qu'on fait, je être Volta. Oui, Volta. Volta Oh, jean 2 pour Volta. Oh, jean 2 pour Volta. Brome 2 pour Voltarix. ouh attendez, on va aller voir ça quand même, messieurs. Oh, le setup, oh, ouais. Oh, Vas-y donc, euh, le Volta. Ah, il <laughs> a un blue buff sur jean en plus, c'est bien. io hein. blue buff last Allez, whisper. Ouf, 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 ouf. Attention, à ce que là, Yudin on l'a lâché, mais je pense qu'il va se prendre des petits moins 10 en ouais. boucle. Et il a un shroud en plus, s'il veut. Il fait Bramble Vest. Ouais, c'est un Bramble. Ok. Ok, c'est pas mal, on a un bon stun. T'as au oh, 7 il a touché ça, quoi. Bon, heal de Séraphine. Ok. Ok. Oh, la troisième Oh, balle. terrible. Ça, c'est dur de perdre aussi. Oh là là, là qui aurait pu transpercer toutes les unités de King. UNIT qui continue de gagner. Oh, let's go. Énorme. Ouais, je vais pas dire, mais si t'es CEO à EGIS, je me dis qu'en plus, euh, Volta qui perd, euh, ça sent peut-être UNIT qui remonterait vers la première place pour le titre de champion d'Europe, peut-être. Moi, je penserais à ça, perso. <rire> <rire> Allez, Volta qui est pour l'instant sur un Insta au niveau, au niveau 4. Il, il, là, en fait, le problème, c'est qu'il veut chercher Leona 2. Il veut chercher Oriana 2, mais en même temps il est déjà bien. Il est dans l'entre-deux un peu chiant. C'est que t'as un peu high-roll, mais t'as pas tout quoi. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et t'as 18 points de vie, du coup t'as envie d'aller au level d'après, mais tu te dis, tu prends une défaite et mais si tu rolls tu pour pas grand-chose quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, il peut pas, il peut pas trop roll. Non, mais c'est comme et tu vois, t'as une équipe de foot avec 11 joueurs, t'as un attaquant de fou, t'as un gardien de fou, mais les 9 autres c'est des chèvres. Qu'est-ce que tu fais tu vas, tu vas acheter quelques recrues. Ouais, ou t'espères qu'il te à la mi-temps, quoi. <laughs> ou t'espères, es euh, ouais, passer la mi-temps. Ou, ouais, je... Là, tu vois, ça, ça tient pas, hein, tout le reste, là. Parce que là, ouais. euh, là, là, il arrive à faire quelques dribbles, le jean euh, derrière, mais le Non, <laughs> euh, Mais regarde, mais c'est vrai Mais c'est vrai Bah voilà <laughs> ah Non, c'est dur, je suis d'accord. Non, c'est pas le PSG, les gars, c'est pas quand même. Euh... PSG, ouais. ils, ont, euh, ils ont les 8 légendaires niveau 2, ils perdent quand même. Depuis le PSG, ils sont pas champions d'Europe. Hein. Et puis, bas, qui marche pas, quoi. Alors. Qu'est-ce qu'on fait là ici Ah je suis pas sûr du level là tu vois je suis pas sûr du level 8. Je pense que Volta il aurait du stab au niveau 7, et roll encore les level 2, genre Léona 2 tu vois, elle devrait remplacer Poppy et tout. Je sais pas, franchement level 7 il avait... il avait plus de trucs de fou à aller chercher honnêtement. Ça spike, il fallait qu'il passe le euh, level je pense. Oui, unit Mais qui bon. a encore gagné en plus son round, Double qui a gagné son round également, les collègues et Volta en difficulté. Oh attention quand même parce que là côté français on en avait 4 dans le top 4. Incroyable Unit oh. par contre. Et on est face à Double... Je nous refais paye un paye. locket full backline. Oh mais le Jhin oh, Faut que je Oh le jean Qui a explosé le gant Ouais là c'est plutôt pas mal du coup parce qu'en plus comme double étant locket backline, les fights commencent avec des hexagones déjà de très loin. Et euh, contre les snipers, ça ne marche pas trop, double qui va perdre encore et Yodid qui gagne encore Et en plus n'avait pas rôle finalement je crois oh là 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 si... Alors peut-être qu'il est passé en 4-3, j'ai pas fait gaffe. Ah oui il est passé niveau 8. -1. Il est niveau 8 Yunin. Donc euh... Bah, c'est la meilleure opération, c'est-à-dire qu'au lieu de stabiliser, il s'est dit « vas-y, je, je, je tank deux-trois rounds et on voit », sauf qu'il les a gagnés ces rounds, donc c'est... taré. Hein. Il y a une zérie, hein. Il y a une belle zérie. Bon, la vraie, le néga c'est pas le meilleur item, mais... Ouais, la zérie. Il a pris quoi, la Volta, du coup euh, Armure Ou euh, euh... Trap clo peut-être J'ai pas vu le... L'objet qu'il a pris. Pas fait gaffe... On va voir ça. Il a pris sûrement a un trap-clos ou shroud, je pense. Ah, Bell belle ouais, belle toi, Bait-toi. En oui. tout cas, la scène 1 Zionite, oh il faudra quand même qu'on en parle. <laughs> Les rolls, ben. bon. ah, Volta. Il a trop de scènes. la l'affaire, Volta. <laughs> C'est vraiment que lui. Mais bon, il est en difficulté. Oui, tu l'as vu. Double, il a eu des belles choses. Hein. J'ai vu une scène 2, une Irelia 2 qui a pop, une Irelia 2 chez euh, Brojan ou Lelouch, je sais plus. Là, il y a de la spike. Il y a de la, il y a de la power spike. Vraiment, vraiment énervé dans le lobby. Hein. Effectivement, ouais là le positionnement est bon, parce que la Séraphine du coup elle va souvent ulti, elle va toucher le Djinn Qui va en profiter également, et on va tomber contre, contre Yunin Alors ah, Yunin n'est pas si fort normalement sur le papier, il a trouvé quoi, il, ouais, a il, a un, toujours, quoi. Ouais, il a Senna 1 toujours quoi Il a Senna 1, il a deux Draven oh, Il a Senna 1 c'est pas vrai Et il est toujours en win il... avec ça hein. Et le il a Echo assaut, en vrai. Le Echo cœur gelé, oh le heal de Séraphine est magnifique par contre, on a encore la Senna qui peut essayer d'ulti Les bons dégâts, mais ça nous manque peut-être un level 2 là, ça manque d'un level 2 Pour Ça le manque le d'un level 2, oh ça passe pas à grand chose oh. Ouais c'est inquiétant pour de commencer à perdre quand même. Alors, il a quand même beaucoup d'HP Younid, c'est le, le point fort. Et... Sera inquiétant oh, le tacos oh, oh, oh le tacos Oh le Quel roi Quel roi Et les cocos aussi Les cocos qui sont en train de manger, ils sont au tatatat au resto là. Enfin au resto. <laughs> 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 au tu vas dire. <rire> ouais, ouais. <rire> ok <great. rire> Oh c'est énorme. Tandis que Younid a eu back foot 2 les amis. C'est bien. C'est génial. BackFoot2, et je vais essayer d'en regarder du côté de Double. Double a eu Cybernetic Shell en dernier, sachant qu'il avait déjà pas mal d'items. Donc il est pas mal. <laughs> ah bah voilà, regardez le petit tête-à-tête euh, -tête <laughs> euh, que vous Sauce Biggie. <laughs> et on va remonter. Léo, 2 Ah, euh, la fameuse Il est pas la mal, fameuse. franchement Mais Le Cisco 2 a grave carrière. Et Zatig euh, qui passe une mauvaise, euh, une mauvaise game, là. Et ça, ça nous arrange oh. de ouf Oh c'est génial page. pour nous ouais. Faudrait que ce Brush Zone le rejoigne aussi, ça serait pas mal pour nous. C'est parti, bah, en parlant de Zati d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a il a, hein, il a une MF. Il a une KGW de lotus. Est... Elle fait mal quand même. Attention, elle fait attention, très très, ça, très elle mal. Il sur le jean, non, il le touche pas ça. Le Brome qui casse au dernier moment grâce à Silco. Oh quel prince, le oh, qui... oh. Ouais, En plus du coup il avance derrière et du coup la MF a retrouvé oh. en multi, c'est génial ça, super. Oh, cool. là, attention. attention parce qu'ils se font Silco Head, ils se font Silco Head, ils se font Silco Head. Ils sont rentrés dans les profondeurs Ouh. de brome, de zone! Oh, le... oh. oh c'est terrible ce fight! Oh non, ça enfin, t'as pas mais... le droit de perdre! La Ketlin de Zatic OS, euh, le Jin de Volta. C'est imperdable. Et la Zeri? Oh, pas mal. Ri, zeri, Zeri, Zeri. Euh... Bah, comme d'hab, en fait, c'est euh, le reste qui n'est pas level 2. Hein. De Volta, il a. Oui. Euh... Sena 2, Oriana 2, Seraphine 2, bon, c'est les petits détails. Ou d'autres champions, même. Hein. Ça aurait pu être des Gnar, ça aurait pu être des... Parce qu'il peut y avoir autour, quoi. Mais les level 2 sont très importants dans cette euh, méta, globalement. C'est pas juste un champion qui peut te faire euh, briller tout comme un Gangplank 1, euh, GA Morello euh, devant, quoi. Pas autant qu'avant. Okay, et oui. on a Morello, bah tiens, Morello <laughs> et <série>. eh, Morello <laughs> série, Mais, et c'est ah. très bien. est-ce que là, les, les deux socialites sont pas un peu sus, sachant que t'as Blue Buff <laughs> Sur Jean, je suis d'accord, c'est vachement bien. Mais sachant que t'as blue bust t'as quand même deux unités qui sont un petit peu fake. Si t'as pas envie de rentrer genre je sais pas par exemple un 4 sniper ou... Ah oh ouais c'est bien ça. Ouais. Avec... Ah il avait vu MF là s'il avait envie. Ou un 4 clock. Non ah, il préfère plus de front. Okay. Parce que, en fait, vu, vu que Jin tient instantanément, t'as envie de lui mettre des dégâts sur cette ulti. Après je sais pas, j'ai pas ouais. forcément la réponse et ouais. Ouais c'est bien. bien, bien ce Raven V pour unida. Need... Oh Oh là là Oh, là là, oh le boda Oh non le hook Oh ça va heureusement Il y en a deux, il y en a deux ouais, ouais, il y en a deux mais un de chaque côté. Ouais ça va, ça va, là il est bien, là il est bien, là il est bien. Allez Volta Allez Volta, la Jinx qui apparaît devant mais malheureusement ben, le Jinx a déjà tag Non. Le Jinx a non, déjà non. cast Oh là là en Ça fait... arrive jamais d'habitude ça, Jinx ça se fait ça quand elle jump comme ça. Oh Le ah, buff Il casse trop vite, en fait ça le ça nerf, le ça nerf qui casse trop vite. Oh la 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 Zati qui tombe, ça c'est vraiment bien Là c'est la 2 Peut-être ah. si on la veut. C'est dommage mais parce que du coup il a envie de rentrer une unité upgrade mais il a pas envie de quitter les cas snipers et il a full pair, aïe 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 Ah le Draven Vip. <laughs> ah, il fait plaisir celui-là quand même, arrivé ah, bien pour achever la partie. ce que là il a il a 26 PV, il a déjà consommé son tacos, euh, ça va être dur hein, de revenir. Le problème c'est qu'il a pris euh, la première upgrade qui est une upgrade qui aurait fait rien sur son board et la troisième pareil. Et la deuxième est pas si mal que ça en vrai parce que les fights sont assez rapides. On tag les collègues, messieurs. Les collègues. Il y a Nico en hein, brome parce qu'il avait une Nico bench tout à l'heure. Donc je crois qu'il est vraiment dans une, dans une petite sauce. Ok, le Silico qui va donner une oh, deuxième. Le Silco. Vie. Et là, il y en a qui met un bon shield. Ouais, lulti Allez, ça va taper, ça va taper, les deux français. Ça va faire pour Volta, là. Ah, et Volta et les collègues qui sont pas très strong, mais Volta est un peu plus strong. Et Silco de quoi, on va dire Ouais, parce que bah, les collègues, il a Sealing Rascals et euh, Tiny Titans. Donc je sais pas combien d'items ça lui a généré, mais du coup, ça veut dire qu'il a deux augmentes de combat en moins, quand même, techniquement. Oh là là, et double et unit qui gagne. Ouh, ça sent bon ça Ouh, ça sent bon dans la tête du classement Vas-y, ah on va connaître les premiers qualifiés là après cette game et je peux vous dire qu'à mon avis, unit double, ça sent pas mal. Je pense qu'on va avoir des, des joueurs à qualifier parce qu'en plus, on a encore euh, le louche Zati Ging dans le bas du classement. Les cocos qui avaient pas tant d'avance que ça, donc attention à les Coco sur la dernière game, peut-être. Ouais, oh là, je vais me coucher tard, moi je sens cette nuit-là, ça me le cette histoire. Euh, ça, ça sent très très bon en tout cas. Parce que là, on accroche un tour oh. 3 quand on était déjà dans les premières places. Sachant oh. qu'il y a 5 places pour les Wars. On va attaquer double du côté ah, de ouais. Volta. Alors, quand ça se passe contre double. Oh, le vilain Shroud oh, sur le scrap. Heureusement qu'il a blue buff ce jean. Il va pouvoir respirer ouais. un petit peu. Mais le Brome, est-ce qu'il va tanker Le très bon stun de la part de Brome. Le chimère de la de sur part de Silco pour tanker encore un petit peu. Attention, parce qu'on a des bons dégâts là du côté de Volta. Mais est-ce que c'est assez avec les rebonds de la Civir Il va encore se transformer le jean une fois Deux fois Oui, oh, jean oh, oh, la balle entre les yeux Il y, y a Silco qui est utile. Léona Brom, oh non, Léon, comment comment, a utilisé Leona et Bro, et ça a fait différence. T'es en pour les collègues Oh là là, non, pas comme ça Attention Oh pas comme ça Sachant que Zati est en train de tenir, que Lelouch, le matelas du lobby, a un peu d'importance. C'est pas bon et Sbroj Zone qui marque des puntos les gars. Ah, les cocos c'est smog. Faut que Zati bottom. Faut que Zati bottom. Allez Zati. Allez, Zati. <laughs> c'est bizarre de les ça. Coco, les cocos, 22 <rire> points. <rire> Soutenir un mec pour y perdre. Allez on croit <laughs> Allez, au bout, tu, tu fais perds. le top 7. <laughs> Mais bon. En même temps, on le pense. C'est parti, le Silco qui va continuer à, à, à changer de position. Volta qui tient bien quand même. Ah, le Silco 2 a fait la différence, franchement. Je crois qu'il casse sur le Brom et la Leona, ça fait une énorme différence. rien de ça, ça ferait tellement de bien vu qu'elle est dans Silco. Par oh, contre, j'ai ouais. une mauvaise nouvelle pour nous c'est que ce Broshen a trouvé une Jinx 2. Hein. Aïe, 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 Pff, aïe. tout euh... mm, le village aïe, Après, aïe, a perdu 4 rounds avec Jinx 2. C'est pas forcément. Euh... C'est bien vu. <laughs> <dépend du> setup, <laughs> mais ok. Et on va repositionner le Jin. On va peut-être taguer. Zati, euh, ça va être Zati d'ailleurs avec son avec sa MF. Oh, oh, sa MF elle, oh, elle fait peur. quand même, hein. ouais, attention oh. je alors, Le bro est bien placé. Hein. Le bro est bien placé par contre. Mmh. Elle c'est si peur cette MF elle fait oh. peur. Oh, non. Oh, elle, va recasse, elle va recasser, elle va ouvrir tout le monde là. Oh. oh, ouais. oh mon dieu, C'est la douche. Et oh, là, oh la le, MF. Le, le truc terrible. Je crois, que, je crois que Volta vient de se griffer Il va mettre une QSS sur son brome Parce que alors je sais pas qui elle. A... Ah, en fait, il voulait, il voulait, il voulait, il voulait. Ouais mais du coup. Euh, qui a le plus d'HP entre Brome et Silco Parce qu'en euh... fait, son Silco s'est fait Enforce. Ah oui, ok. Et du coup, ouais. il, a, il a pas pu ulti le Brome, et c'est pour ça que toute la backline de Zati a avancé dans la backline de Volta, en fait. Ah Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, Smart. Mais en fait, il veut Bien surtout oui. que 16 Brome, parce que, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça se joue à un, un pet à chaque fois que le Brome caste. Ouais, et ouais, là, en en cas, en 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 forceur, ouais. c'est catastrophique. Et le louche, c'est bon, Louch, fini. Le louche est terminado. Ouais, le louche top 7, mais bon, lui euh, c'est finito donc c'est. ça a priori sûr que les Français iront soit au Worlds, soit au barrage pour aller au Worlds. et ça, quand même, c'est génial. Hein. Ah ouais, là, ouais, là on euh, est très Ça, c'est génial, les gars. Il n'y a pas de top 8 côté Français. Oh, et, on peut, euh... Si on peut sortir Ging, c'est génial aussi là, attends. Volta, bah oui. Volta, l'ami de la France, allez. Allez, Gene! Oh, il, il y a encore la trappe-clos pour contrer Solista, La trappe-clos qui excellente Allez, il faut toucher le, le Alistar qui va recaster par contre. Allez, il faut toucher la cible! Allez, entre les deux jeux comme tout à l'heure! Allez allez, 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 mon frérot, Jin! Bon, et Ging qui bon, bon, sort! Et go, let's go Incroyable! Les Zati qui perd! Les qui perd également! Ouais, oh, il Volta qui accroche des places quand même! Hein. C'était un top 8 ensemble hein, le tacos! Et oh, a deux! Oh, c'est bien! Oh là hein, la, la 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 la! Ça nous met trop bien parce que les cocos qui font un bottom, du coup ça les mettait à 22 points! Et Ging là, avec ce top 6, passe seulement à 23! Donc il, oui. il prend pas d'avance sur les cocos, c'est génial! C'est génial! Effectivement, il reste quand même contrôlé. Du coup, Volta, Double et Unid euh, vont euh, s'envoler un hein, petit à petit. Et surtout, euh, Double hein, qui est à 22 points. Volta est à 23 points. Et Double, euh, il va passer. Il euh... n'y a pas un monde où Double ça peut être euh, déjà, déjà qualifié à la fin de cette partie. On fera un petit point-point à la fin de celle-là, peut-être. Si, peut si, si mais on aura des longtemps. Français qualifiés, c'est sûr. Ah oh, oui, oui, ah ouais. là, avec, euh, avec ça, il ne faut pas que Zati marque trop de points. Alors, on va ouais, voir Zati, Zati point top 5, je pense qu'on est bon. Hein. Ouais, faut que Zati tombe maintenant parce que du coup, ça veut dire qu'il prendrait pas l'arche sur les cocos, pareil, tout comme ce brush zone. Le spell crit est excellent par contre sur Zeril. Ça régale, ça régale. Yuni est passé niveau 9 à l'instant. Double, il joue un gros setup striker. Je pense que ça va être très dur de faire mieux. Trin d'amer 2 pour Yuni. Alors, ça se pas le fou. C'est pas. Tu t'es emballé. Je suis peut-être biaisé. Oh, c'est le sharpshooter Jinx 2. Look, look de jean Look de jeans, non Oh putain, il Ok, Lazeri qui peut être dans la bonne Et diagonale. Oui, Attention à ce charge-shooter. Lazeri, Lazeri maintenant qui est c'est Deux cases de Brome C'est excellent! Allez! Pas pas Allez. C'est oh, oh. dur, oh. dur, 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 dur! Oh! Zerie, 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 duel! Il meurt pas! Il, il meurt pas! pas, pas, pas. C'est un HP! Zati! Oh, Zati, arrêtez pour l'enfant, il faut mourir maintenant! Tandis que Yudi est en train de perdre tous ses rounds. Pratiquement, il était à 70 PV, double qui perd plus beaucoup. Le 6-striker Irelia Syberkari qui est mortel ici. Oh la MF, elle fait tellement peur Ah la MF3 de Zati, je sais pas qui peut la sortir, mais ce serait bien. Allez là. Allez Oh, oh le stress. En vrai. Un truc c'est qu'il y a toujours ce, ce problème enforcer contre Zati euh, si jamais Volta le tag. Il faut que le Silco ultime le brouille. Oh la la, la vilaine MF avec le double shroud. Oh, ça là il a pas kiffé Volta. A chaque fois qu'il a kiffé Après Pourquoi prends prend pas le shroud Oh non, il y a 4 renforceurs, c'est pour ça en fait. Et du coup, directement dans la backline, la MF. Oh la MF qui va mettre une pluie. Oh punaise. Oh la 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 Top 4 pour Zati. Et Volta qui top 5 du coup. Aïe aïe aïe, top 5. Et unit continue de perdre. Et unit qui perd, mais c'est double qui gagne. On va repasser rapidement sur unit du coup qui a plus que 10 HP. Mais il va peut-être trouver Jin 2, hein, aussi, vu que Volta est mort. va ouais, trouver Zeri 2 aussi, Leona 2, c'est pas mal. Il avait toujours pas Leona 2 depuis tout à l'heure aussi. Hein. Braum 2. Braum 2 oh, C'est bien. Rentrer. Il vient de trouver, trouver une sacrée frontline en fait. Là, il avait un gros problème de front. Il oh est là, pas mal là. Là, 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 là. Ça va être dur, ça va être très très dur. Je sais pas, Seraphine qui est turbo fake là. On oh, pas, on n'a pas eu sa game. Au niveau du Zephyr, le Draven qui est remis. Dans la case. Dans la case. On est face à double. Elle double, il est bien. Oh là là, 6 strikers. Et l'un forceur, la série Warmog sur le gangan, c'est une bonne nouvelle du coup pour Units. Ok, on a Draven qui a peut focus directement l'Airelia, la Irelia Non, pas encore. Attention à cette civière, cette civière qui fait de plus en plus mal. Il faut très très vite se séparer de la Irelia. Je pense qu'on manque un petit peu de dégâts. Draven qui va tenter tout ce qu'il peut, mais ça ne passera pas. Et Zati, Zati, Zati. Et personne n'est tombé C'est terrible Et les deux joueurs, le hongrois et le polonais, qui refont une remonte à la fracassante dans le classement là avec cette game. C'est pas bon pour nous ça. Oh my god. Oh c my Zati, god. Euh, oh, c'est les pires Ouais bah ouais Oh c'est les pires en plus qui doivent remonter. Alors, ça fait pas les affaires de les collègues unis des Volta parce que là il euh, y a peut-être un double qui va s'envoler. Et derrière, il y aura un pack les gars où il y aura 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactement le même nombre de points pratiquement. Oh là 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 Mais il y a un double qui va s'envoler Oh là 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 là. Peut-être faire un là deuxième faut titre de champion que... d'Europe pour le joueur euh, cassé. Ça ouais. oh, serait beau, hein. Imagine, il nous fait un. Oh non, j'ai je, je, je parti en jeu. Pas de curse, pas de curse. Après, le... ils ont réussi. C'est lui qui, du coup, qui est le. Pendant <laughs> ce temps-là, vrai, nous sommes sur derrière-pack. qui prend, prend son checkpoint. Bon, on attaque Il prend le boost, le virage est plutôt bon. Il prend de l'avance sur Pack. Il fait attention. Et, et le, le looping commence là. Il y a Compact. Temps, on va bientôt arriver au saut. Le combat commence là. Pour double. Je vois se béduiser à la caméra ok, Pac qui repart. Scrappy juste devant. Ok, notre fight de double. Passe. Là, Sylvia si ouais. qui commence à blaster. Qui a l'air de plutôt bien se passer. Là, Jinx, attends, il attend qu'il va mourir. Et ça ça sur le là-dessus, je crois. Alors, mais Alors mais... que Bred qui Alors fait que... un très bon saut. Il bon est directement. Vers l'accélération. Oh, oh, Scrappy projet. qui est tombé Scrappy qui est tombé Et ça Scrappy passe C'est pas le C'est non, c'est Pac Oh, top 2 quand même pour Bren là ici. Ouh, c'était chaud. C'était chaud, mais Scrappy a fail quand même au dernier moment. Ouh là 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 là, on assure. Bon, double fait top 1, mais bon. Au moins quand même. Et quelle course de Bren, messieurs. Il euh, est super parle, chaud en trackmania grand league en ce moment. Hein. Il, a fait, il a déjà eu médaille d'argent je crois la semaine dernière la dernière étape, médaille d'or sur les premières étapes. Ah je m'y attendais pas. Bren qui est vraiment chaud. Hein. Ah, mais... est vraiment chaud en ce moment en trackmania grand league. Hein. En plus il a quand même très très bien commencé euh, la grand league hein, sur euh, sur cette phase finale. Là ça, ça a commencé début mars hein, clairement on est content de, de pouvoir euh, vous euh, retransmettre cette émission euh, et à la suite chez Kameto. Hein. Ne bougez pas. <laughs> euh, Puisque il y a la dernière game de, de cette finale de TFT avec double. Et double top 1 quand même. Bravo à lui. C'est double qui s'envole du coup hein. Là il, alors, normalement on fait pas de point point tout de suite. Mais là avant la dernière game, il faut un point point, non un ah, point point, point, hein. point, il faut le point point. Ah, ouais. Le point point, le point point, on est en stress là, le point point, mais euh, double c'est bien parti. Hein. Ah, ouais. euh, double c'est très bien parti hein. Déjà, alors a priori. Est-ce que est double n'est pas qualif là Je crois, ah, ça ça oh, qualifié, Je crois que double est World. Double hein, est qualifié ça y est Je crois que double est tower, c'est difficile de... de le déloger de là hein.

il en a fait un hier, je crois, en dernière game, non Mais non. Alors, je crois que je deux, ici. Peut-être peut deux hier. Ah, il a fait deux. 8, 7, 6, il a fait deux bottom. Il a fait deux bottoms hier. Okay. Mais là, il a pas fait un seul bottom en finale des champions d'Europe, les gars. Alors, petit point donc 21-22 pour euh, les Cocos ah, Bolson. Voilà. Ça va être chaud pour la 6 e et la 7 e place. Rien n'est fait pour l'instant. Bah, ah, en ouais. gros, il y, y a 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en gros, y a, on va dire Il y a 5 joueurs qui se battent pour, 2, pour euh, 3 places. Euh, Zbrojzon, c'est chaud, vous pensez T'as dit 5 joueurs. Hein. Bah, c'est chaud, Zbrojzon, il peut encore passer. Bah, Vol mais. Volta, c'est fait, non Alors, En fait, le truc, c'est qu'il y a un gars qui a fait office de matelas, du coup, euh, le, le, à mon avis, le cut-off, il est un peu tout, plus en haut. Fait, quoi. Ouais, ça tout tout le monde a plus de points en moyenne et un gars a rien. Quoi. Bah, je Donc, pense qu'il bah, oui, y a, a Unit, Zati, Ging, Les cocos, Zbrojzon qui se battent pour 3, 4, 5. Quoi. Ah ouais, c'est vrai que Volta est à 27. Alors, pour le champion d'Europe, c'est pas fini, c'est sur cette game que ça va se décider. Oui. Clairement parce que si Double fait top 8, c'est que euh, par exemple Bien un sûr. Zati fait top 1, ça peut tout changer. Mais pour la Califor, c'est bon pour Double, ça sent bon pour Volta, faut le dire, parce que c'est le top 5 quand même, je pense pas que Volta fasse 6. Euh, ça, je suis d'accord avec toi. Mais il peut jouer encore le champion d'Europe, et après derrière, on a un Youni qui est troisième à 25 points. Euh, 25 points, on va faire quoi, ouais, un petit top 4. Bah il est régu, ouais, regarde, on top là top il a 5, fait hein, top 5, suffit, hein. il a fait 3 top 4 déjà, hein. top top 3, ouais. top 4, top 5, top 4, top 4. Pour l'instant, Unit est régu s'il fait top 5, il est 100% qualifié je pense.